suite aux événements qui ont marqué l'arrestation de notre leader. Déclaration de l'église synagogue du Gabon relative à l'arrestation de son leader. L'église synagogue du Gabon, ESG, souhaite porter à la connaissance de la communauté nationale et internationale les informations relatives à l'arrestation de son leader, le prophète Emmanuel Nzoma, et de certains membres de son corps ecclésiastique dans l'après-midi du jeudi 1er septembre 2022 par les services de la direction de la documentation et de l'immigration, DGDI. Face aux nombreuses interrogations sur la situation exacte, des serviteurs de Dieu arrêtés depuis 4 jours, nous avons jugé utile, ce dimanche 4 septembre 2022, de partager nos informations avec le corps du Christ et la communauté nationale et internationale en notre possession. En effet, le mercredi 31 août 2022, le leader de notre église a été convoqué au sein des services de la DGDI afin de s'expliquer sur la vidéo d'une grossesse miracle de 3 mois, ayant fait la une des réseaux sociaux à l'issue de la grande croisade, qu'annonce l'heure de ta visitation, que nous venions d'organiser en plein cœur de la commune de Bendo. Le serviteur de Dieu, le prophète Emmanuel Soma, a répondu à cet appel en compagnie du corps ecclésiastique ainsi que Madame Hulda Benga, la femme concernée par l'édit miracle. Après avoir été entendu, il leur a été permis de regagner leur domicile. Nous tenons à signaler à l'ensemble de l'opinion que Madame Hulda Benga n'a jamais déposé une plainte contre notre leader. Au lendemain de cette convocation, le jeudi 1er septembre 2022, le prophète Emmanuel Soma et Madame Hulda Benga vont être téléphoniquement appelés par les services de la DGDI afin de venir signer leur déposition. Cependant, nous regrettons qu'en répondant à ce deuxième appel, notre leader ainsi que la dame concernée seront privés de leur liberté par les services de la DGDI. Tandis qu'une équipe d'agents de la DGDI s'est rendue dans la même matinée au domicile du prophète Emmanuel Nzoma, afin d'arrêter toutes les personnes qui y vivent. Arrivés sur les lieux, les agents trouveront la dame de ménage du serviteur de Dieu, qui sera par la suite embarquée afin de subir une malgré la pression. La dame de ménage déclarera que notre leader n'a jamais eu recours à ce type de pratique. Au lieu d'être ramenée à son lieu de travail, cette dernière sera déposée à son domicile tout en lui intimant l'ordre de ne pas faire état de cette interrogation à son entourage. En après-midi, les agents de la DGDI reviendront sur les lieux sans la dame de ménage. Ils y trouvèrent l'évangéliste Wad David qui leur opposera un refus d'accéder à la concession sans mandat de perquisition. Malheureusement, ce dernier sera bousculé puis embarqué par les agents de la DGDI afin d'être à son tour interrogé par les services. Il sera quelques heures plus tard ramené sur les lieux de son arrestation afin d'assister à la perquisition de la maison du prophète Emmanuel Nzoma.
au domicile. Les agents emporteront des documents, livres et clés USB, sans rien trouver de concret dans la possession. Poursuivons leur logique de recherche, de preuves. Notre leader prophète Emmanuel Zoma sera sorti des murs de la DGDI par des agents pour être conduit à l'hôtel où il a séjourné durant la grande croisade afin de procéder à des fouilles de sa chambre d'hôtel et celle de ses collaborateurs. Tout cela à l'insu de son église et de sa famille biologique. Dans les dix établissements hôteliers, les agents n'y trouvèrent rien de concret. Après l'hôtel, la visite des agents de la DGDI se poursuivra à l'église synagogue du Cameroun, toujours en compagnie de notre leader, pour y faire des fouilles. Sur les lieux, les agents feront le tour du propriétaire à la recherche des possibles preuves. Cependant, rien de concret ne sera trouvé, mais les arrestations de certains membres du corps ecclésiastique se feront à l'église. Face à la tournure des événements, l'église synagogue du Gabon a eu recours à un avocat qui a pu rencontrer toutes les personnes mises en garde à vue par les services de la DGDI, notamment notre leader, prophète Emmanuel Zoma, l'évangéliste Wam David, le pasteur Cécile Bélé, le pasteur local Eli Makaka, le pasteur Miller, Madame Ulabenga et l'agent Alain Mouniengui. Notre conseil n'a toujours pas reçu les services de la DGDI. Les motifs exacts de cette garde à vue. Nous tenons à signaler que les pasteurs Eli Makaka et Miller ont été libérés le vendredi 2 septembre 2022 aux environs de 17h par les services de la DGDI. Cependant, au moment où nous faisons cette déclaration, notre leader, le prophète Emmanuel Zoma, l'évangéliste David Wall, le pasteur Cécile Bélé, Madame Uda Benga et l'agent Alain Mouniengui sont toujours maintenus en garde à vue par les services de la DGDI. Malgré les délais largement dépassés. Au regard de ce qui précède, et en prenant à témoin le corps du Christ, la communauté nationale et internationale, nous demandons la libération immédiate de notre leader, le prophète Emmanuel Zoma, de l'évangéliste David Wall, du pasteur Cécile Bélé, de Madame Hilda Renga et de l'agent Alain Mouguéni. Pour finir, tout en appelant à l'union de prière, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites en vélo le dimanche 4 septembre 2022. Église synagogue du Gabon 6 à Obendo. Je vous remercie. On peut célébrer. Je vous remercie.